La communauté musulmane des soufis du Mali a procédé cet après-midi au lancement de son festival Maulid 2014. Placé sous le signe de la paix et de la tolérance, les festivités de cette année vont cérémonie de lancement du Maulid 2014 de la communauté musulmane des soufis du Mali, pour laquelle le Maulid 2014 revêt une signification particulière. La célébration du Maulid pour nous soufis fait partie de notre quotidien, tout simplement parce que le Maulid mérite d'être fêté. Parce que c'est grâce à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'humanité a retrouvé son souffle. C'est lui qui fut le premier ou bien la première personne sur l'écosystème universel à défendre les droits de l'homme. La fête du Maulid 2014 s'inscrit dans un cadre particulier qui marque le retour de la paix dans notre pays. Nous avons placé le Maulid sous le signe d'abord de la paix, de la tolérance, du pardon. Vous savez, sans ces trois valeurs, l'humanité n'a pas de sens. Donc, Dieu dit dans le Saint-Coran, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Mohamed, vous êtes un miséricorde pour l'humanité tout entière. Quand on parle de l'humanité sans pardon, sans tolérance, quand on parle de l'humanité sans la paix, je pense bien que l'humanité n'a plus de sens. Au cours de la semaine du Maulid, du 13 au 19 janvier 2014, plusieurs activités seront au programme. Entre autres, des conférences débats, des matchs de football, des prêches et des prières.